Bonjour à tous. Je ne peux être présent au festival pour cette première édition, mais c'est vrai que j'aurais aimé être parmi vous pour discuter de ces enjeux qui vont venir bientôt, rapidement. J'aborderai deux points. Le premier, je pense qu'effectivement aujourd'hui, par rapport à l'environnement, une question me vient à l'esprit. Peut-être qu'au niveau de la formation des écoles et des centres de formation, il faudrait peut-être intégrer une formation sur l'environnement dans les cursus. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important et qu'on doit intégrer pour les jeunes générations. C'est le premier point. Quant à un point qui me touche énormément, étant près de la mer, aujourd'hui, que ce soit tant au niveau de la mer qu'au niveau de la terre, je pense une traçabilité peut-être un peu plus pointue au niveau pour les clients, et puis une traçabilité un peu plus pointue pour le commun des mortels qui achète ces produits. Je pense qu'encore il y a des efforts à faire et on doit travailler là-dessus. Évidemment, en tant que restaurateur, le circuit court fait partie de mon quotidien depuis toujours. Peut-être encore le bonifier en l'expliquant un peu plus à nos clients. Ça passe par là, la réussite passe par là. Voilà en deux mots des choses qui vont sûrement être abordées durant le festival. Je crois beaucoup en tout cas à un écosystème de plus en plus, je dirais pas locavore parce que moi je suis plutôt pointe Finistère, mais au respect, à une vraie discussion avec les producteurs, avec les éleveurs, les cueilleurs et surtout à l'écoute et dans l'échange les uns et les autres. Voilà, merci et bon festival.